Moi salut tout le monde qui a suivi Coup Piano qui fait en créole et sous channel YouTube Créativité Créole Production, que c'est là que nous mettons toutes les leçons pour vous. Dès le commencement, vous êtes capable de une leçon 1, 2, 3 jusqu'à niveau que nous arrivons là. Il y a des gens qui toujours posent des questions, qui écoutent quoi a fait, quoi pas dans le local, ou a fait sous channel YouTube, sous channel la les créativité créole production. Ça veut dire que vous même qui t'a aimé commencer avec nous, capable d'aller sur channel créativité créole production. C'est là où on commence les jeunes premières leçons nous qui c'est leçon 1 jusqu'à ce qu'on arrive à la leçon que nous hier. Et songez que nous te parlons de gamme de do dièse et maintenant nous pour quitter touche noire pour un petit temps parce que moi voulais continuer un petit genre plus rapide. Moi parle bon seulement gamme qui peut trouver note blanche de do à si, do à si. Nous parlons de gamme seulement qui n'a note ça. Après, quand nous finissons de gamme dans note blanche, et puis nous entamer et gamme, nous allons continuer gamme de do dièse à gamme de la dièse. Ok, et vous avez déjà la première gamme qui était faite dans do, qui c'est do majeur, et maintenant nous parlons avec gamme de ré qui fait comme ça. Ok, gamme de ré, pour faire simple et rapide, gamme de ré, vous avez deux touches noires qui ajoutent dans la gamme de ré, qui c'est troisième note là avec septième note là. Pour capable comprendre et faire rapide, essayez de faire dire chiffre pour être capable plus rapide et plus simple. Par exemple, moi dit là, vous avez une note que, qui ajoute là-dedans, c'est troisième là avec septième là. Troisième note là avec septième note là. So, par exemple, pour t'apprendre, si tu apprends dans la gamme de ré, au lieu que tu mette troisième note là qui c'est F, ou pas mettre F, ou pas mettre Fa dièse. Ok? So, je me débanou simple tout, me dit que on a les toutes touches au dièse. Ok? Alors, dit troisième note, ou abdouna, ou apprenne le Fa dièse. Ok? Et septième note que vous ajoutez, on a commencé avec la première note là pour arriver sur la septième note pour voir qui note que nous ajouter. Nous te dit 1, 2, 3, 3 c'est Fa dièse, 4, 5, 6. On va prendre la septième note là qui t'a donné Do, mais on ne peut pas mettre Do, on va mettre Do dièse. À la septième note là, on va mettre une touche noire qui c'est Do dièse. Ok? 1, 2, 3, 7 et puis au jeune gamme de ré. Bon, on fait le slow pour capable voir comment on fait. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça veut dire que c'est ça qu'on vient dans la gamme de ré majeur. L'autre gamme qui n'est pas jeune qui s'est mis, côté qui n'est pas jeune, l'autre touche nous à la donne. Et m'a quitté nous pour nous capables bien apprendre la gamme de ré majeur. Et moi souhaite que nous apprenions. Et moi pas que nous en pile. M'a quitté nous. À la prochaine.